There were no congregation to lean up on, no assembly to contribute financially. The goal was to build a church where the people could just come to worship and praise, with peace in their hearts. Construction a duré près de 4 mois, avec un pile effort, un pile sacrifice. Petit monde, grand monde, tout le monde mettait main, tout le monde mettait cerveau, tout le monde mettait poche. With a lot of sacrifice, the construction lasted about 4 months. Adults, children, men and women, everyone was involved in making the project a reality. Malgré qu'elle sautait, malgré défi sous défi, bon Dieu t'es campé à groupe ça, nous t'as parlé de miracle en miracle. Despite the fears, despite the stumbles, God stood with the group through all the challenges. And the project was going from miracles to miracles. Jour de dimanche 5 mai 2024, d'après la dictée de l'Éternel, d'après la demande du Saint-Esprit, groupe là te fait premier service ensemble en bas construction. On Sunday, May 5th, 2024, following the Holy Spirit's revelation and command, the group had their first Sunday prayer service, even though the construction was still going on. Construction a continué malgré un pile de dépenses qui t'a multiplié dans affaires pendant équipement, son, instrument, dernier cri, dernier modèle, avec dernier caméra, avec computer et tout ce qu'on a en l'église qui a besoin et même ça nous pas connaît. The construction was going forward, even when the expenses were multiplying with top-notch sound equipment, instruments, cameras, computers, lighting fixtures and other technical materials. C'est concernant le mois de juin 2024, premier service dimanche était ouvert aux membres fondateurs, leurs familles et leurs amis. And in the month of June 2024, the church has its first regular Sunday services with the founding members, their families and friends. Et au mois de juillet 2024, l'église a été ouverte porte pour tout le monde. In the month of July 2024, Palakwa Christian Center opened its doors to the general public for Sunday morning services. Mission et stratégie Palakwa Christian Center qu'a résumé dans 3 points. Palakwa's mission and strategy can be summarized in the following 3 campaigns. Premièrement, campagne relâchement. Côté nous pral prendre la rue dans tout coin, dans tout côté pour nous chercher monde qui en bas griffe Satan pour qu'a vienne jeune Christ. Ces campagnes d'évangélisation ça cap continuer jusqu'à ce que Jésus retourne. First, campaign release. We will go out to every corner to look for people under the devil's grip to convey to them the gospel of Jesus Christ. This evangelization campaign will go on until the return of our Savior. Si on connaît le monde qui besoin de Christ, puis la croix, c'est pour lui. Si on connaît le monde qui cherche mon Dieu, puis la croix, c'est pour lui. Et si ou même ou est arrivé, ou voulez bâiller vie ou à Christ, contactez-nous, parce que puis la croix, c'est l'église. If you know anybody who needs Jesus, Palakwa was built for him. If you know anyone looking for Christ, Palakwa is his church. And if you want to join the Assembly of the Saved, let us know. Palakwa is your church. Deuxièmement, dans la campagne de réclamation, nous voulons aller pour prendre tout ça pour nous réclamer. Jeunes nous, que nous luttons en pile, nous prions en pile, nous crions en pile, nous dépenser en pile pour faire yoye ça yoye jodia et puis connaissance yo l'argent yo force yo ressources yo c'est l'autre communauté qui pas fait rien pour yo c'est là y a baili. Second, campaign reclaim. We want to claim back our youth who left the Haitian community. Even though we had invested everything in them, our prayers, our money and our love, they are only serving other communities. Si vous avez des amis, frères ou sœurs qui quittent la communauté haïtienne, tant pis, contactez-nous, gagnons l'église pour vous,
dans la communauté haïtienne, c'est Pied la Croix Christian Center. Ou même, si vous êtes jeune, si vous êtes un monde ou professionnel, et puis, peut-être toute raison que vous avez numéré ou quitté le secteur évangélique haïtien, nous demandons de retourner, venez joindre avec nous pour nous bâtir l'église Paola. Relez-nous, contactez-nous. Pied la Croix, c'est l'église où lié. C'est l'église où a vinn fait avec nous en lié. If you have families and friends falling into this category, Pelakwa was built for them. If you are a youth or a professional who left the Haitian community for whatever reason, we are inviting you to come back to your roots. Together, let's build Pelakwa Christian Center to become the church you've always wanted. Troisièmement, la campagne restaurée, puis la croix parle de tout haïtien, croyant ou non croyant, qui pour une raison pour l'autre, yo pas arrêté dans l'église haïtienne encore, mais yo tellement haïtien, yo parlé dans l'autre communauté. Yo rete là, yo parlé dans programme qui a rapport à bon Dieu, puisque yo rien mais bon Dieu, mais yo pas jamais fait yo membre aucun l'église locale haïtienne, parce que yo découragé à leadership, yo découragé, yo pas croire encore que l'église locale yo ka vraiment mené yo bay bon Dieu. Et bien Pied la Croix, c'est l'église qui fait exactement pour ou même qui comme ça, ou même qui perd du espoir, ou même qui pas croire que leader yo parle pour ou yo vraiment assez. Et bien Pied la Croix, c'est l'église Paola. Vin bâti la avec nous, gen expérience ou fait nous pour faire. Nous toutes ces restaurer nous dans Pied la Croix. Mais ou gon bagay ou capoter. Nous ka vin faire ça ensemble. C'est peut-être ça, nous-mêmes dans Pied la Croix, nous casser tête tourner, nous dit non, nous pas arrêter dans la rue, nous pas arrêter gailler l'église, la famille chrétienne, li fait pour nous ensemble, nous besoin assembler, nous besoin prier ensemble. Et c'est pour ça, Pied la Croix vient avec campagne restaurée, c'est pour vous. Contactez-nous, venez bâtir l'église ça à côté toujours réveillé. Third, Campaign Restore. There are numerous Haitians, believers and non-believers, who stop attending local Haitian churches for several reasons. They stay in the community, but they don't belong to any church, even though they often attend religious activities of different congregations. Because of their bad experience or simply because they have lost faith in the local church leadership, they are not members of any church. If you are one who wants to restore your faith, in a leadership who understands your needs, Pelakwa Christian Center is the church for you. We were all like you, lost between our desire to serve our community and the deception of not given that chance. We suffered, but we believed in our need to be in an assembly. All hope is not lost. God always find a way for His people. We need each other to form a family of saints to carry one another spiritually and socially. We need each other's experience to become the best of ourselves while serving our Lord Jesus Christ. We are a family who understands the value of each of our members. Our leadership is equipped spiritually and with enough knowledge and love to support each other with respect and care while carrying the Word of God everywhere. Come to us. Pelakwa Christian Center was built for you. Come and make it the church you've always dreamed of. Merci Jésus, Pied la Croix, Pied la Croix, Pied la Croix, Pied la Croix. Amen.